Allora dice portrait. Salazar Summer portrait Hollow Beach. Ouais, c'est Portrait Hollow Beach, la première rue, et tu vois le camp, la balle, la marée est haut là, ça fait l'eau vient à le camp, tu vois. Un autre portrait ici, tu vois comment les lampes viennent, ça vient au camp, ça passe en dessous du camp. Ça a été pris longtemps passé, ça, hein? Ouais, à peu près 40 ans passés. J'étais là, c'est juste toi qui étais là pour ça. Ah, mais je m'appelle pas. Je connais c'est Hollow Beach. Et je m'appelle. Alors, ouais. Qui ça, là, c'est? Ça, c'est un stéréo pour mom. Je connais pas si c'est le même stéréo que Clint y a donné. Parce qu'il a soigné Kobe. Je pense que c'était Kobe en soigné pour lui quand lui et sa femme s'avaient séparés. Et en vendant des tours à soigner les petits. Tu vois, je croyais que cette affaire-là, c'était pour Corliss. Et c'était pour ta maman, Loss? Si c'est pas pour moi, peut-être c'est bien. Je connais Anna Yuan, je connais, il avait donné un stéréo, je croyais que c'était celui-là. Mais peut-être c'était pour Corliss, mais je me rappelle pas que c'était pour Corliss, celui-là. Alors, ça c'est un portrait de mom. J'aimerais bien connaître You, ça a été pris. Et juste de place, je connais ses dad qui a pris le portrait parce que je peux voir l'ombrage. Et je peux le reconnaître la manière il se peigne les cheveux. Ouais, c'est un portrait d'une vieille maison. Ça ressemble à le vieux, la vieille maison avant ils ont fait un magasin avec. Parce que ça, c'est comme le magasin en arrière de votre maison. Mais là, c'est comme une bonne maison. Je crois pas que c'est le magasin à ce temps-là. Une maison qui était pour ma mère, tu crois? La vieille maison à ton grand-père Vidrine. Ah, ben tu vois, moi je me rappellerai pas de ça. Mais je suis bien connaître de connaître. Alors, ça c'est un portrait de mon papa dans la neige. Je pense que c'était ma mère Odette, aux autres, je pense. Ouais, j'aime voir le vieux truck là en arrière. Et comme c'est joli la neige. Ouais, c'est beaucoup joli. Ça neige plus comme ça à Sturdy Tourisite. Ah, oh, mais ça c'est un portrait. Je connais pas si c'était pour Christmas, ok. Holiday, mais ça c'est Mike et Marisha. Et ça c'est les deux filles à vine, ce qu'il a dans le portrait. Ouais, c'est un bon portrait. Et je vois que c'était la cuisine à ta maman. Et c'est dans avant d'acheter sa nouvelle table, tu vois. Ouais, ça fait c'est bien longtemps passé d'abord. Ah, mais gars, ce portrait, ça. C'est un portrait de notre camp. Bon, j'ai eu de grimaces camp. Depuis, j'étais petite, on allait là tous les vendredis au soir, les samedis matin, et on passait tout le week-end là. C'était une bonne place pour aller tous les week-ends. Et ce camp, c'était pas la vieille maison à ta grand-mère? Ouais, Dad avait acheté la maison, il l'a tout cassé. Là, il l'a fait au camp, au Miller's Lake. Ça fait, c'est ça, c'était la maison de ma grand-mère, ma mère Mary. Ça, c'est un portrait de mom. J'ai pas sûr, mais je crois peut-être qu'elle avait 16 ans. Je crois que ça m'avait dit. Déjà, elle avait 16 ans quand elle a pris ce portrait. Et moi, je trouve que Marisha ressemble moins à elle. Ses yeux, ça ressemble moins à Marisha. Ouais, et les moyens déchirés, mais on peut arranger ça bien. On peut faire un homme de la ville plate arranger ça bien et ça va être un bon portrait. J'aimerais bien faire ça, alors. Allons voir. Ah, oh, ça c'est un portrait de moi. Et je vois Corliss en arrière. Et je connais pas qui je tiens là. C'est Michael peut-être? Je peux pas comprendre. Ouais, c'est Michael.